Bonjour, alors nous sommes le mercredi 3 juillet. Je suis rentrée de Bordeaux samedi matin et samedi soir je travaillais. Je vous laisse imaginer dans quel état j'étais dimanche. Enfin, j'étais vraiment genre éclatée mais morte. Lundi pareil, je suis restée chez moi tranquille et tout. Hier donc mardi, je suis allée chez mon amoureux. On a fait une raclette parce que le temps s'y prête. En fait, il fait vraiment pas beau donc hier c'était raclette. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'est le moment un petit peu de me remettre dans ma routine, d'aller faire mon sport. Et j'ai fait des petites courses. Je ne fais pas de haul parce que c'est comme d'habitude. Et aussi parce que j'ai surtout fait des courses pour l'anniversaire de Tiffany. Là, je vais prendre une douche, laver un petit peu mes cheveux, laver tout ça. Et après, je pense que je vais passer la journée vraiment tranquillement à la maison, sachant qu'il est vraiment genre 16h. Mais voilà, écoutez ma foi. J'avais vraiment genre aucune inspi tenue. Faut savoir, genre un truc à mon sujet, c'est que je suis tout le temps habillée en noir. J'ai pris vraiment des pièces hyper simples parce que je me sens pas de m'aventurer tout aujourd'hui. Je vais me maquiller très très rapidement. Il y a un temps, je vous raconte un petit peu ce qui est prévu. Donc en gros, ce soir, je rejoins un test. Donc on va dîner chez Siena. C'est un restaurant qui est vers Opéra et tout, genre trop fun. Truc un peu drôle, c'est qu'en fait, on avait prévu genre cette sortie depuis vraiment pas mal de temps, genre depuis le mois dernier. Et du coup, on avait bloqué une date, etc. Elle avait un imprévu. Et moi, je m'étais trompée de date. J'ai vraiment trop une galère. Mais en gros, de base. Donc, ça fait une réservation pour un jeudi soir. En semaine, elle m'envoie des messages. Le problème, c'est que moi, je rate les messages. Enfin, si je m'envoie un message important, genre sur mon compte principal, il y a très peu de chances que je réponde. Parce que, bah, souvent, les notifications, je les vois et tout. J'oublie, des fois même, je les vois pas parce que je les rate et tout. Enfin, vraiment, genre, cata. Du coup, moi, vendredi. Midi, j'ouvre mon téléphone pour lui envoyer un message pour lui dire, genre, ouais, et tout, c'est comment pour ce soir? Et genre, je remonte dans la conversation et je vois qu'en fait, elle me dit qu'elle ne pouvait pas pour jeudi. Donc, moi, je me dis, comment ça, le jeudi? Bref, du coup, je remonte dans la conve et en fait, je me rends compte qu'effectivement, la réservation était pour jeudi soir. Qu'elle m'avait envoyé des messages lundi matin pour me dire qu'elle ne pourrait pas être là. Sauf que moi, j'ai tout raté et que j'ai ouvert les messages vendredi. Bref, je suis vraiment une cata. Heureusement, elle pouvait pas parce que vraiment, genre, sinon le cauchemar. Bref, mon problème, c'est ça, c'est que tellement je surcharge mes emplois du temps quand il faut que je vois mes potes et tout machin, que du coup, bah, au final, je me retrouve à galérer comme ça parce que j'ai calé trop de trucs. C'est un cauchemar. J'ai trop hâte, ça va être trop sympa. Je suis pas du tout convaincue de comment je suis habillée. Faut que je prenne une veste aussi parce qu'il fait genre vraiment moche dehors. Vraiment, les joies de Paris, je trouve pas. Genre, en fait, on est vraiment en juillet et il fait giga moche. Et quand je vois mes mémoires de l'année dernière, il faisait mais tellement beau. Genre, j'étais en t-shirt tous les jours. Je vais finir de me préparer tranquillement et je vous reprends quand j'aurai fini. La vie se consume à feu doux. Dans le tunnel, je vois pas le bout. J'ai fait le tour de la city, j'ai fait le tour de son le bout. Une grande ouverte, d'où le bruit. J'ai envie qu'il y ait un petit peu d'air qui sorte dans la chambre. Il est approximativement 13h. Je me vais, j'ai pris ma douche, j'ai pris mon petit matcha avec des petits gâteaux pour le petit déj. Programme de la journée, en vrai, tranquille. Parce que je m'occupe du cadeau de Tiffany. En l'occurrence, il faut que je fasse le gâteau d'anniversaire. J'ai déjà tous les ingrédients qui sont dans un sac posé par là. J'ai envie de sortir en marché un petit peu pour me promener, prendre l'air un peu. Hier soir c'était vraiment trop sympa, ça m'a trop fait du bien. Tu me parles d'avoir des expériences, faire des trucs et tout, je vais te dire oui parce que j'aime trop. Cette année là j'essaie vraiment de tenter de nouvelles choses et ouais de m'ouvrir à de nouvelles expériences etc, et ça me fait un bien fou. En fait c'est vrai que récurrentement je suis partagée entre beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension etc, parce que bah à la fois genre je suis là, j'ai l'impression de pas avancer et de stagner un peu dans ma vie, mais à la fois je me dis je vois pas trop. Franchement je suis beaucoup stressée par rapport à l'avenir, à ce que je vais faire de ma vie etc etc, ce qui en vrai bon c'est des, j'ai envie de dire c'est des craintes qui sont normales, c'est des craintes qui sont souvent partagées par d'autres personnes. En tout cas, mais aussi ce côté moi genre qui est hyper fière de tout ce que j'ai pu faire, de
tout ce que j'ai fait comme chemin et je me dis en fait genre c'est le chaos mais j'arrive quand même à faire avoir des moments où genre je suis heureuse et des moments où genre je suis là, je suis bien et tout, donc c'est cool. Vraiment journée très tranquille où je fais pas grand chose et tout parce que j'ai pas la motivation de 1 parce que je pense que je manque vraiment de journées comme ça où je suis tranquille et où je me fais rien. C'était super longtemps que j'avais pas fait de gâteau à la carotte ou de gâteau tout court d'ailleurs, mais c'est une activité qui me fait beaucoup de bien, que je trouve très apaisante et super gratifiante. Donc là j'étais trop contente de pouvoir refaire un petit gâteau, en plus un de mes gâteaux préférés à faire. Je me suis aussi lancée pour la première fois dans la réalisation d'un glaçage un peu cream cheese et zeste de citron, et franchement il était très très beau. Niveau recette, j'utilise celle de Carla Ginola, elle avait posté pendant le confinement. Juste je réadapte les quantités de sucre et d'huile. Ou la 200 sur le périph avec du gros son dans la caisse. Tu crois que tu vas la gérer, mais c'est elle qui va te cogner. Finir la bouteille de cognac, et pas parce que c'est une pomme, et pas besoin de lui passer la pomme. Vous avez foiré les bases, tu faisais le show mais y'a rien dans le froc. Madame voulait un orgasme. Je viens de rentrer. En gros, je suis sortie pour imprimer les trucs pour le cadeau de Tiffany et pour écrire ma lettre genre à la main. Je vais me poser dans un parc pour le faire et là du coup je vais dîner, il est à peu près 19h30, je vais faire mon girl dinner préféré après baguette ou mousse concombre. C'est un de mes fromages préférés, c'est du Saint-Marcellin, j'ai déjà tapé la moitié de mes baguettes et des grains de raisin. Bon, c'est très très bon, je vous conseille grave le Saint-Marcellin ou le Saint-Félicien là, chef kiss. Coucou, aujourd'hui nous sommes le mercredi 5 juillet 2024, c'est l'anniversaire de ma copine Tiffany, donc je suis trop contente. Je pense que dans genre la moitié de mes vlogs, c'est des anniversaires. Je vais rejoindre Tiffany chez elle, je vais quitter chez moi vers 10h. En gros, l'anniversaire de Tiffany, ce qu'on décide de lui offrir, vu qu'elle part en échange au Japon, notre reine en fait, on a décidé de lui faire, de lui écrire des lettres. En gros, pour que chaque mois au Japon, elle ait une lettre à ouvrir. Et donc du coup, on a rassemblé un petit peu genre tous ses copains de la fac. Enfin, il manque des gens, sûrement. Et j'ai lu un petit peu les lettres, parce que du coup, on a envoyé quelques-unes, parce que je devais les imprimer. Mais trop mignonne, genre vraiment trop trop chou. Franchement j'ai plutôt bien dormi, j'ai pas dormi trop tard. Je me suis endormie en regardant un documentaire en ce moment sur Netflix. L'homme mille enfants, je sais pas trop, bref. Et en recommandation documentaire Netflix, franchement genre que j'ai kiffé personnellement, que j'ai regardé maintenant ou il y a un peu plus longtemps. Moi je crois que le titre en français c'est « Supri et tais-toi ». Banger, la façon dont le documentaire est tourné, enfin ce que l'histoire raconte en elle-même genre. Pas du tout, enfin c'est chaud. T'as un trigger warning, agression sexuelle. J'ai aussi beaucoup aimé le documentaire sur Cléopâtre sur Netflix. Je me rappelle pas du titre. Franchement pareil, genre un vrai banger. J'aime bien que t'aies des reconstitutions en fait dans les documentaires. En recommandation lecture, après j'ai beaucoup pendant les vacances, c'est-à-dire littéralement genre 4 mois par an. En livre que j'ai beaucoup aimé l'été dernier, genre vraiment que j'ai aimé saigner. D'ailleurs c'est maintenant que j'en ai pas parlé, c'est possible que j'en ai parlé dans des vlogs genre l'ancienne. Milan Kundera, j'adore ce monsieur, il a des œuvres genre que je trouve qui sont tellement belles, bien écrites. Du coup genre ce qui est hyper intéressant c'est qu'à la base c'est un auteur tchèque il me semble. Donc on parle beaucoup par exemple de Révolution, c'est des œuvres qui ont été traduites initialement des versions originales. Et donc en fait comme lui il est venu vivre en France, là il a pu faire des relectures et apporter ses modifications à ses œuvres. C'est comme s'il avait écrit lui-même. Aussi quelques œuvres ont directement été écrites en français par lui. Donc je trouve ça incroyable. L'œuvre que j'ai vraiment adorée de cet auteur là, déjà vous avez L'insoutenable légèreté de l'être. Il est un petit peu long et ça se lit vraiment tout seul. Genre vraiment je vous promets que ça glisse. Risible l'amour la base. Et franchement genre excellent pareil. L'ignorance aussi. C'est un petit peu plus court. Et aussi La vie est ailleurs que j'ai vraiment trouvé genre super doux, particulièrement sympa. L'été dernier j'ai lu du Fuequinos. D'ailleurs j'aimerais beaucoup me remettre sur cet auteur là parce que j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Bah, je vous en avais déjà parlé du coup, mais Vers la beauté, excellent ce livre, vraiment genre incroyable. Je pense que j'ai vraiment lu en 3 jours. Et il y a aussi Je vais mieux que j'ai lu du coup je pense pendant le premier semestre L2, mais il était vraiment excellent pareil. D'ailleurs genre j'ai fait mes petits dumps du mois de juin là dernièrement genre sur Insta, sur mon compte principal et sur mon compte privé, et vraiment genre je me suis rendu compte que j'ai vraiment vécu 10 vies
pour ce mois de juin. Et en fait, autant j'ai l'impression que le mois passe hyper vite. C'est parce qu'ils sont hyper occupés. Genre, je fais vraiment plein de choses en vrai. Je vis vraiment 5 vies par mois. Genre, c'est une dinguerie. Je pense que ce qui contribue à ça aussi, c'est que j'ai des groupes de potes, par exemple, qui sont hyper divers. Et je pense aussi que c'est ça qui me fait du bien. Sur les activités qu'elles aiment faire, les personnes qui sont dans mon entourage diffèrent énormément. Par exemple, j'ai des copines qui vont être très travaux manuels, des copines qui vont être très sport, des copines qui vont être très tranquillement, balade, machin et tout. Je pense que c'est trop bien parce que du coup, je me rends compte que j'ai vraiment une mosaïque de toutes ces personnes au final. Plus je m'observe dans le temps et plus je me vois grandir. Je me rends compte que vraiment, genre, dans ma personnalité, j'y prends un petit peu de tout ça. Que, bah, avec le temps, j'évolue et je reste pas la même version de moi-même. Ouais. Et je suis contente d'avoir des personnes avec lesquelles partager ces années de ma vie. Parce que c'est vrai que, vous savez, souvent quand j'en parle avec mes potes et tout, et que je suis en mode, c'est donc ça les meilleures années de notre vie, MDR. Très sincèrement, je pense que, genre, c'est quand même les belles années. Genre, en mode, autant c'est chaotique, parce que, bah, écoutez, on est tous perdus. Tout le monde galère un peu d'une façon ou d'une autre sur des points plus ou moins différents, mais voilà, genre, tout le monde a ses galères. C'est la période dans ta vie où tu te trouves, tu fréquentes tellement de cercles différents et t'expérimentes tellement de choses variées. Que je pense vraiment que c'est une période où tu te trouves toi-même. Parce que dans le monde qui est en constante évolution autour de toi et dans genre ton entourage qui peut être hyper hétérogène, dans les activités que tu pratiques qui sont hyper diverses, et bah je pense que genre tu restes une constante et du coup bah tu te trouves et tu te rends compte des choses que tu aimes, des choses que t'aimes moins, des choses que tu supportes, des choses que tu supportes moins. Et dans le livre que je lis en ce moment, The Body Keeps the Score, je me suis rendu compte, j'arrache mon vernis en même temps. Tricking girl. En gros, il parle du fait que les thérapeutes, quand ils font un travail avec des personnes, par exemple, qui ont du PTSD, par exemple, ils vont avoir des flashbacks. Le travail des thérapeutes, c'est pas tant de réussir genre à supprimer le trauma, ça va plutôt être d'aider ces personnes à se re-ancrer dans le moment présent et à réapprécier ce moment présent. Je sais pas si quand je l'explique comme ça, c'est clair. Mais en gros, la partie de ton cerveau qui s'occupe de gérer ta perception de ce qui est présent et de ce qui est passé, quand t'es traumatisé, t'as des flashbacks, etc. Et bah cette partie-là, elle est un petit peu défaillante. Alors notre cerveau, c'est un peu comme un système d'alerte, d'alarme incendie. Dans ton cerveau, t'as une partie qui va servir à repérer le danger, qui va fonctionner avec tes sens, donc ton toucher, ta vue, ton ouïe, ton odorat, bref. Et t'as une autre partie de ton cerveau qui va fonctionner un petit peu comme une tour de contrôle. Ça te permet de voir les choses avec plus de distance, prendre un petit peu la hauteur sur tout ce qui peut se passer. Enfin, les personnes traumatisées, leur cerveau va plus nécessairement faire la distinction entre les potentiels dangers et ce qui n'en est pas. Il faut réussir à rééquilibrer ça. Du coup, soit en réentraînant la tour de contrôle, le permettre de nouveau prendre de la hauteur et de réussir en fait à délier un petit peu les choses et à dire ok là c'est pas nécessaire de paniquer tu vois. Soit en rééquilibrant notre système d'alerte. En tout cas c'est là où j'en suis dans le livre. En gros genre ce qui est hyper intéressant dans ce livre, la meuf qui part dans tous les sens, pitié. Je finis ce point là et après j'arrête promis. Je trouve ça trop intéressant même d'un point de vue personnel, genre de lire des œuvres comme ça. Ça va être à me comprendre moi, à comprendre les gens qui m'entourent. C'est hyper important en tant qu'être humain, genre de cultiver son empathie, de cultiver sa compréhension de l'autre et sa compréhension de soi. Parce que tu peux pas comprendre les autres, tu comprends pas toi-même. Mais en même temps genre comprendre les autres ça t'aide à être en paix avec toi-même aussi. Sachant que moi je suis une personne qui prend les choses très personnellement, bah du coup genre ça m'aide à prendre de la distance. Et à comprendre par exemple certaines réactions, genre que je peux avoir ou que d'autres personnes peuvent avoir, tu vois. Et je trouve que ça t'apporte beaucoup en tant qu'être humain, que ça permet de grandir en étant quelqu'un de mesuré, et ça fait, je pense, des bons êtres humains que de chercher à comprendre les autres. Et ça fait 33 minutes que je parle, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, genre la meuf, enfin quand je vais monter, je vais vouloir me tuer. Un truc à dire, Doraline. Viens avec moi. On est exactement le 5 juillet, il est 15h28. Et là, on va manger le gâteau. On a bien mangé, je pense que tout le monde est d'accord sur ça. C'était une table remplie, une table de qualité. Tomate savoureuse. Rien à dire, rien à dire. I didn't move cause I knew that I got it just like that. I didn't ask, I didn't try, I knew that you were mine.
Je me suis préparée en très rapide pour aller à la salle. Il est à peu près 19h40, donc presque 20h. J'ai trop hâte. Je me suis fait des petits dips de concombre avec du houmous. Ma journée était vraiment trop cool. On a fait un atelier make-up, alors Tiffany nous a appris comment lire, c'était vraiment trop stylé. Je suis allée à la salle, j'adore des journées comme ça, genre toute calme et toute tranquille. Trop fun. Ce soir, j'ai pas grand chose de prévu, je vais manger mes petits dips là devant une série, je pense, des vidéos, je sais pas trop encore, faut que je me décide. Après, je pense que je vais lire un petit peu avant de me coucher. Et ce week-end, je travaille. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, parce que il va plus rien se passer d'hyper intéressant, et même, genre, j'ai quand même beaucoup parlé, je pense. J'espère que me suivre pendant ces 3 journées, genre ça a été agréable pour vous à regarder. J'espère que de votre côté tout va bien également, que vous passez de bonnes vacances. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un week-end, whatever. Je vous dis à très très vite et je vous fais des bisous.